Le Tao Te King. Les écrits de Maître Lao sur la voie de la vertu. Chapitre 55. Lao, le vieux, l'usé. Celui qui possède une vertu solide ressemble à un nouveau-né, qui ne craint ni la piqûre des animaux venimeux, ni les griffes des bêtes féroces. Ses os sont faibles, ses muscles sont mous, et cependant il saisit fortement les objets. Il ne connaît pas encore l'union des deux sexes, et pourtant il est entier. Il ne connaît pas encore l'énergie, et pourtant il l'atteint. Il crie tout le jour, et pourtant sa voix ne s'altère pas. Il ne connaît pas l'harmonie, et pourtant il y est arrivé. Connaître l'harmonie s'appelle être constant. Connaître la constance s'appelle être éclairé. Savoir augmenter la durée de sa vie s'appelle une bénédiction. Savoir utiliser son souffle vital s'appelle être énergique. On dit que les choses robustes contrastent avec celles usées. C'est ce qu'on appelle ne pas imiter le Tao. Celui qui n'imite pas le Tao périra bientôt. Chapitre 56. Bou que on ne peut pas, on ne devrait pas. Celui qui sait ne parle pas. Celui qui parle ne sait pas. Bouchez vos sorties, fermez vos entrées, émoussez votre tranchant, coupez vos chaînes. Tempérez votre splendeur, assimilez-vous à de la fine poussière. Quand vous aurez fait cela, vous lui ressemblerez profondément. C'est à cause de ces raisons-là que l'on ne peut pas l'attraper, bien qu'il soit si proche. On ne peut pas l'obtenir, et pourtant on le néglige. On ne peut pas l'obtenir, et pourtant on en profite. On ne peut pas l'obtenir, et pourtant on le détruit. On ne peut pas l'obtenir, et pourtant il est estimable. On ne peut pas l'obtenir, et pourtant il ne coûte rien. C'est à cause de ces raisons-là qu'il conduit le monde honorablement. Chapitre 57. Wo, moi, je. C'est grâce à la droiture que l'empereur gouverne un pays. C'est d'une façon imprévisible que l'empereur utilise l'armée. C'est sans rien faire que l'empereur a obtenu l'empire. Comment sais-je ceci? Je le sais grâce à cela. Plus il y a de jalousie et de tabou, plus le peuple s'appauvrit. Plus les hommes ont des outils merveilleux, plus les maisons s'obscurcissent. Plus les hommes sont habiles et ingénieux, plus de choses imprévisibles apparaissent. Plus il y a de lois et de décrets, plus il y a de voleurs et de bandits. C'est pourquoi l'homme saint dit « Je suis sans conduire et pourtant le peuple se transforme de lui-même. Je suis parfaitement immobile et pourtant le peuple se rectifie. Je ne fais rien et pourtant le peuple s'enrichit. Je suis sans désir et pourtant le peuple retourne à sa nature. » Chapitre 58. Fuo, le bonheur. Si son gouvernement est empreint de tristesse et de douceur, alors le peuple reste simple
et honnête. Si son gouvernement est épié, observé, alors le peuple deviendra comme un drogué, envieux et en manque. Oh, quelle calamité quand le bonheur en dépend. Oh, quel bonheur quand la calamité rampe à nos pieds. Celui qui connaît son extrême connaît aussi son manque de droiture. Celui qui pratique la droiture est bien rare dans ce monde. Celui qui pratique le bien est regardé par les autres comme s'il était un lutin surnaturel. Pourtant, cet homme enthousiasme les autres, et sa longévité sera solide et longue. C'est pourquoi l'homme saint se voit comme un carré sans quart. Il agit honorablement et les autres ne blessent pas. Il est droit et n'a pas d'excès. C'est pourquoi il est clair, mais ne brille pas. Chapitre 59, Chang Tzio, la longévité pour longtemps. S'il gouverne les hommes comme le ciel le ferait, alors personne ne ferait preuve d'avarice. Quand l'époux est avare, on dit de lui qu'il s'habille en pyjama. Quand on dit de quelqu'un qu'il s'habille en pyjama, on veut dire qu'il ferait mieux d'accumuler de la vertu. Quand l'homme accumule de la vertu, il contraste avec ceux qui n'ont pas réussi à l'obtenir. Quand on a accumulé de la vertu, on contraste avec ceux qui ont du superflu. C'est de cette façon-là qu'il devrait posséder un pays. S'il gouverne un pays tel la mer de toutes choses, alors ce pays aura de la longévité pour longtemps. C'est parce qu'il est observé et épié depuis sa naissance que le Tao a de la longévité. Chapitre 60, Shun, Dieu. Gouverner un grand pays semble aussi difficile que de cuisiner un plat mijoté. C'est par le Tao que l'on réussit à gouverner sur l'Empire. Son démon n'est pas un dieu. Ses anges ne sont pas un dieu. Son dieu ne blesse pas les hommes. Ses anges ne blessent pas les hommes. L'homme saint aussi ne blesse pas les hommes. Et quand l'époux ne blesse pas l'épouse, quand l'épouse ne blesse pas l'époux, on dit que leur vertu retourne à leur origine, c'est-à-dire à ce qu'elle était. Chapitre 61, Tsia, en dessous, inférieur. En dessous d'un grand pays, il y a les flux, c'est-à-dire les fleuves et les routes. Au-dessus d'un grand pays, il y a le ciel. Au-dessus du ciel, il y a l'insondable femelle. La femelle arrive toujours à vaincre son homme par le calme et l'immobilité. On remarque que c'est par le calme et l'immobilité qu'elle agit sur lui. De même qu'un grand pays souhaite obtenir le soutien des... Il devra s'abaisser. Quand un petit pays souhaite obtenir le soutien d'un grand pays, il devra s'incliner. C'est pourquoi les uns s'abaissent pour recevoir, les autres s'inclinent pour être reçus. Quand un grand pays n'est pas pris de désirs futiles, il fait preuve de cohésion et cherche à nourrir doublement les hommes. Quand un petit pays n'est pas pris de désirs futiles, il s'occupe des affaires de ses hommes.
si l'époux et l'épouse souhaitent trouver chacun leur propre place, alors celui qui est le plus grand des deux devra agir de façon appropriée avec celui qui lui est en dessous. Chapitre 62, Bi, le disque de jade céleste. Celui qui a le Tao se cache de la multitude. L'homme bon est comme un bijou qui chercherait un endroit sécurisé contre les hommes mauvais. Il arrive que le beau parleur respecte son marché. Il arrive que l'homme habile devienne un homme meilleur. Pourquoi dès lors les abandonner? L'empereur, qui se présente comme le Fils du Ciel, qui est établi par les trois rois, que l'on vient de loin saluer comme étant le détenteur du disque de jade céleste, Bi, qui monte un char impressionnant attelé par quatre chevaux. Cet homme-là est-il l'égal de celui qui est avancé dans la voie? Les anciens placés à ce poste-là, celui qui était un homme estimable. Il était le porteur du Tao. Les anciens ne parlaient pas du Tao, ni ne cherchaient-ils à l'obtenir. Ils se contentaient seulement d'exiler les hommes vicieux. C'est pourquoi il faut gouverner sur l'Empire de façon honorable. Chapitre 63, Nan Yi, difficile, facile. Agir sans agir, faire sans faire, connaître sans connaître. Être grand tout en étant petit, avoir beaucoup tout en ayant peu. Se venger de la haine par la vertu. C'est un tableau difficile qui a forcément un côté facile. Quand on se comporte comme un grand, on a forcément un côté humble. Gouverner l'Empire est un travail difficile qui est vu comme une chose facile. Gouverner l'Empire est une grande œuvre qui est comparée à un petit métier. De la même façon est l'homme saint qui, jusqu'à la fin, se comporte comme un grand et qui pourtant mérite sa grandeur. L'homme qui fait des promesses à la légère certainement perdra la confiance des autres. L'homme qui dit que tout est facile certainement trouvera les choses difficiles. C'est pourquoi l'homme saint voit jusqu'à la fin toutes choses comme difficiles et ainsi les réussit sans difficulté.